C'est l'heure de se lever, pas. Ça va, t'as bien dormi? On met bien du lait dans le café. Pourquoi on n'y met pas plutôt du gras, Non, papa. Je crois pas que ce serait bon. Franchement, on n'en sait rien, c'est peut-être super. Faudrait juste essayer. Moi, je crois que ce serait dégueulasse. Rien que l'idée me fout la gerbe. J'ai pas dit que c'était ça que je voulais boire. Je me demandais juste pourquoi ils ont pas essayé le café au gras. Le café au gras? Tu dois me prendre pour le tueur à la graisse. J'ai jamais dit ça. Eh ben, figure-toi que ouais, c'est moi le tueur à la graisse. Je te crois pas, c'est des mensonges. Ouais, ok. C'est pas moi, je suis pas le tueur à la graisse. Ouais, mais t'es un putain de menteur. Ouais, ça c'est vrai. Les Bee Gees. Eh bien, c'est là qu'ils ont inventé leur chanson la plus groovy, Night Fever. Comment ça, ils l'ont inventé? Ils étaient là, sous le porche, et ils ont trouvé les paroles. Pourquoi ils auraient fait ça sous un porche? Ils attendaient un pote qui devait les récupérer pour aller fêter son anniversaire dans un boui-boui chinois. Et est-ce que vous avez des preuves de ça? Contentez-vous de me croire sur parole. Vous nous offrez pas des boissons avec la visite? Non! On n'a pas de boisson offerte. Je sais pas d'où vous sortez ça. C'est écrit dans le prospectus. Eh ben, ce que vous avez lu, c'est des conneries. On vous demande pas des boissons exotiques. Rien que de l'eau serait suffisant. Non, monsieur, vous avez eu de mauvaises informations. On veut des boissons offertes. Non, il n'y a pas de boissons offertes. Donnez-nous des boissons. Non, pas de boissons. Donnez-nous au moins de l'eau. De l'eau gratuite. Oui, on veut des boissons gratuites. Non! Pas de boisson gratuite. Boisson gratuite, 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 boisson gratuite. Non, pas boisson gratuite. Frei trinken. Nicht frei trinken. J'exige d'avoir une boisson tout de suite. Oh, lâchez-moi la grappe avec vos boissons. On devrait avoir droit à des boissons offertes. Y a pas de boisson offerte. Essayez pas d'entuber un entubeur, ou alors vous étonnez pas de vous faire entuber. Vous n'êtes pas correct en affaire, monsieur. Et vous, vous êtes des clients de merde. Parlez donc à mon cul. Je suis désolé pour ça. Mon père peut avoir un sale caractère. Pour sûr, il se laisse pas faire. Ouais. Il faut tout le temps qu'il gueule. Moi, je préfère sourire. T'es du genre fleur bleue, c'est ça? Ouais, tu m'as bien cerné. Fleur bleue, c'est tout à fait moi. Ouais, ça se voit. Moi, ça me gêne pas. J'ai rien contre. Mon nom, c'est Bryden. Bryden? C'est quoi? C'est écossais? Non, c'est pas écossais. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Janet. Arrête de draguer et tire-moi l'élastique! Hé, tu sais quoi? Je crois que j'ai un plan avec la nana canon de la visite. N'importe quoi! T'es qu'un putain d'embobineur! Non, elle m'a carrément rappelé. C'est trop clair, c'est officiel, elle me kiffe. Elle se fout plutôt royalement de ta gueule, ouais. Non, papa, elle aime ma personnalité, c'est elle qui me l'a dit. Et puis son nom, c'est Janet. C'est quoi cette merde?
Mes saucisses, je les veux grasses, et sur ce putain de graillon, y'a pas la moitié de ce qu'il faut comme graisse. Tu comprends ce que je dis? Manger trop gras, c'est mauvais pour la santé. C'était marqué dans un magazine que quelqu'un a laissé dans le bus. C'est que des conneries. T'es un putain d'embobineur. Toi et moi, on a un pacte. T'as le droit d'habiter ici, mais faut que tu cuisines au gras. Et là, t'es très loin du compte. Pourquoi tu vas pas plutôt vivre chez ta mère avec Ricky Picotte? M'arrête de dire tout le temps ça. Tu sais très bien que Ricky me déteste. La dernière fois, il m'a dit que j'avais les cheveux gras et il m'a appelé Bouboule. Tu commences par me servir cette merde. Ensuite, tu me dis que t'as une copine. Et après quoi, tu lâches notre petit commerce. Dans le fond, tu dois pas beaucoup m'aimer. C'est ça que t'as l'intention de me faire? Non, papa, pardon. Je vais mettre plein d'huile sur tes saucisses. J'ai plus faim, j'en ai rien à foutre. Papa, je compte pas m'en aller. Mais c'est vrai que Janet m'attire. Je sais pas si moi je l'attire, il faudrait qu'on se connaisse mieux. Quand elle te connaîtra mieux, elle prendra la fuite. Je lui ai demandé des chips et ça n'a rien donné. Vous devriez le dire à la direction. J'ai mis la pièce, j'ai appuyé, mais le paquet s'est coincé. Donc le directeur a ma pièce et moi j'ai pas de chips. Dites-moi une chose, ces chips que vous avez choisies, elles étaient à quel parfum? Mais quelle importance? C'était des chips saveur paprika. Celles avec des rainures. Moi, j'aime bien mettre ma langue dans les rainures, parce que c'est là que se déposent le sel et les pépites d'épices. Oui, ce sont les meilleures. J'adore les rainures. Oui, mais ces chips à rainures, en quoi sont-elles faites? En pommes de terre. Je vous demande pardon? En pommes de terre. Vous pourriez répéter? Pommes de terre. D'accord, mais moi, ce que je veux savoir, c'est en quoi elles sont faites. En pommes de terre. Quoi? Vous avez dit quoi? Pommes de terre. J'ai du mal à vous comprendre. Vous pourriez le redire? Pommes de terre. Vous pourriez le dire encore une fois? Pommes de terre. Là, ça devient embarrassant. Est-ce que vous pourriez le redire, mais cette fois très lentement? Pommes de terre. Je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin de savoir. Ces merveilleuses chips sans rainures, en quoi sont-elles faites? En quelle matière? Pomme de terre. Vous pourriez leur dire encore? Pomme de terre. Je crois que ce qu'il essaie de dire, c'est pomme de terre. Oh, d'accord, oui. Pomme de terre. Qui servent à faire les chips. Non mais c'est qui ce Zig? D'où est-ce qu'il sort? Hey, je sais pas ce que t'as, mais nous on est trois. Peut-être que c'est pas un homme. Regardez-le, on dirait le père Fouettard. C'est ça, le père Fouettard. Oh mon Dieu, cet homme est complètement fou. Peu importe, il faut l'immobiliser. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Écoutez, je suis plein aux as. Je suis le patron d'une entreprise de transport. Ne me faites pas de mal. Je peux vous donner la moitié de mes actions. Comme ça, vous gagnerez un max sans même devoir aller au bureau. Franchement, je pourrais pas vous proposer mieux. Je voulais seulement des chips à rainures au paprika, mais elles étaient pas pour moi. La vérité, c'est que j'ai une fille dans ma chambre. On a fait connaissance au café des sports. On a essayé de faire l'amour, seulement je bandais pas. Et après ça, mes burnes sont rentrées à l'intérieur. C'est un truc qui m'était encore jamais arrivé. Est-ce que vous essayez de me tuer? Moi, je m'appelle Sydney. Ronnie, est-ce que c'est toi, mon pote? Ouais, Big Paul, en personne. J'ai entendu crier. Tout va bien pour toi, Big Ronnie? Ouais, t'inquiète pas, je vais me fonder la poire.
Tu te marrais parce que ta caisse était encore toute graisseuse. Ouais, y a de ça, saloperie de cambouis. Ouais, je suis fan de ta lessiveuse. Et j'aime bien que ma bagnole soit toujours nickel. Ça m'éclate. Oh, tiens, voilà tes 10 dollars, vieux. Et je vais faire un tour dans ta plissotière. Fais-toi donc plaisir, Big Ronnie. Ronnie est de retour. Et dans peu, on va se faire une petite sortie disco, pas vrai? Ouais, bonne idée. Je me sens bien de bouger mon corps. On pourrait, oui. Plus un temps, on dansait tous les jours. Maintenant, t'as plus jamais le temps. C'est un peu gênant à dire, mais mon fils a des problèmes. Quel genre de problème? Entre toi et moi, je crois que mon fils est profondément bipolaire. Il aurait besoin d'un traitement. En plus de ça, il chie au lit pratiquement chaque nuit. Oh putain! Oh, pff. Mais c'est dégueulasse! Ouais. C'est pire quand c'est sur la moquette et dans la cuisine, je te dis pas. L'autre soir, je l'ai trouvé accroupi juste devant la télé. Enfin bon, merci pour le coup de brosse. Sans souci, Big Ronnie. Essaie de revenir vite. Bye bye, Big Paul. Bye bye, Big Ronnie. Bonjour, papa. Fais-moi la paix. T'as déjà le cafard au réveil? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Pourquoi tu dis ça? Bah, maintenant que t'as une copine, tu vas sûrement vouloir déménager. Dis pas n'importe quoi. Pour l'instant, je suis même pas sorti avec elle. Écoute, je connais les femmes. Elle va te vouloir pour elle seule. Ça a l'air d'être une gourmande. Moi, je la trouve surtout jolie. Tu vas t'en aller et moi, je crèverai de solitude. Il y a plein de gens qui en crèvent. Ils se sentent tellement seuls que leur cœur s'arrête et ils en claquent. Mais tu t'en fous de ça. Toi, tu vas être occupé à faire l'amour, à jouir. Allez, arrête. Ça se voit trop quand tu fais semblant. Tu sais bien que je vais pas partir. De toute façon, je suis une brêle avec les filles. Ouais, ben, en attendant, j'ai un truc important à te dire. Viens par là. Je t'écoute, papa. T'es vraiment prêt? Enfin, prêt. Oui. Je te fais ta poitrine fumée graisseuse comme t'as jamais vu. Putain de bombardeur. Mais non, c'est vrai. Eh ben, je demande à voir. Si c'est pas du niveau de la dinde que t'as faite à Noël, je te le fous à la gueule. Regarde ça. 200% de gras. Maintenant, l'authentique boutique Chérico. C'est là que Cool de Cool and the Gang a travaillé 6 jours par semaine avant de devenir une superstar de la musique disco. Eh bien, ainsi s'achève la grande visite disco de Ronnie. Merci d'être venus nombreux et revenez avec des amis. Alors, où est-ce que tu m'emmènes dîner? Il paraît que le resto Cajun est super. Et moi alors? Qu'est-ce qui va me faire à manger? Je vais avoir faim! T'as qu'à aller dans un snack. Commande-toi un hot dog. Tu veux dire un chien chaud? Ouais, prends-toi donc un chien chaud. Un gros qui fait wouf wouf! Wouf! Ok. Allez donc vous faire foutre, je m'en branle. À plus tard, papa. À plus tard. Oui, à plus tard. Connard que vous êtes. Un cul de déesse comme celui-là, je pourrais t'en bouffer toute la nuit.
Merci, mademoiselle. Il me tarde de goûter ça. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai lu quelque chose au sujet de ces petits bâtonnets. Ce sont des Grissini. C'est possible. Et sinon, ta mère vit avec vous ? Non. Elle est partie quand j'étais petit. Avec son nouveau mec. Ça a dû être terrible. Ouais. Cet enfoiré de Ricky picote. C'est un entraîneur de sport diplômé. Il a les plaquettes d'abdos les plus dingues que j'ai vues. Ouh, et qu'est-ce qu'il a d'autre ? À une époque, je vivais avec ma mère et lui. Il m'obligeait à lui cogner le ventre. Il sentait rien parce que ses abdos étaient en béton. C'était comme taper dans un sac de viande qui serait resté longtemps au frigo. Et il me forçait aussi à faire des tractions. Une fois, ça m'a fait vomir. Je me souviens, c'était du vomi orange et plein de bulles. Et Ricky picote, ça l'a tellement énervé qu'il m'a mis deux grandes claques avec le plat de la main. Quel vilain bonhomme. Et je te dis pas tout. Il y a eu les sévices sexuels. Tu avais quel âge ? 18 ans. En ce temps-là, j'avais une belle moustache toute soyeuse. Depuis, j'ai plus eu de moustache et j'ai jamais plus fait de traction. Les filles regardent pas que les abdos ? Ouais. Elles préfèrent regarder en dessous. Janet, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui te chiffonne ? Les types avec qui j'étais se sont fait tuer. T'es mignon. Si moi je suis mignon, toi t'es carrément sublime. Monsieur. Je veux un hot dog avec plein de gras. Aucun souci, monsieur. Je vous prépare ça avec une double dose de sauce. Ça vous fera uno, dos, tres petits billets. C'est quoi ce gros tas de merde ? Mais monsieur, c'est mon célèbre hot dog au Chili. Non, ça ressemble à rien. J'ai besoin que ça baigne dans le gras, il me faut plus d'huile. Mais monsieur, je peux pas faire ça. Ça va contre les règles d'hygiène. Je pourrais perdre ma licence. Moi, j'ai besoin que ça dégouline. Je veux que la graisse déborde par tous les orifices. Que ce soit au sein d'eau ou à l'huile, il faut que ce hot dog soit imbibé de graisse. De façon à ce qu'en le mangeant, ça coule facilement dans ma gorge, comme avec du lubrifiant. Mais monsieur, je vous l'ai dit, c'est impossible. L'excès de gras bouche les artères. À cause de ça, je vous le répète, je pourrais me faire retirer ma licence. Vous devez sûrement vous dire que je suis le tueur à la graisse. Et c'est pour ça que vous voulez pas me rajouter d'huile. Hé ! Touchez pas à mon chariot. Vous avez pas le droit de faire ça. C'est très dangereux comme matériel. Vous pourriez vous brûler. Et moi, je perdrai ma licence. Ben, j'en ai rien à foutre. Je vais tremper mon hot dog autant qu'il faudra. Ça, c'est du hot dog comme je les aime. Un jour, je publierai un livre d'heroic fantasy. Qui en plus sera illustré de grandes planches en couleur, avec des cartes pliables des royaumes imaginaires. Et pour le livre audio, c'est moi qui raconterai l'histoire. Je ferai les voix de tous les personnages, même celles des dragons et des trolls. Et comment ça va s'appeler ? Le premier tome s'appellera L'amulette de Arg. Arg est le gardien, malgré lui, du royaume des trolls. Dans le tome 2, il trouve un passage vers le cybermonde et devient un cybertroll. Et dans le 3, il accomplit sa destinée en devenant seigneur des trois royaumes.
parce qu'il a la plus grosse amulette. Shmari, toi aussi, t'as une très grosse amulette. Non, j'ai pas d'amulette. J'aime bien être avec toi, ça me change de Rico. Son truc, c'était les doigts. Je t'ai pas dit que tu pouvais. Je me demande ce que fait mon père. Ronnie, c'est toi, Ronnie? Ouais, c'est bien moi, Ronnie, en personne. On dirait que tu fais de sacrés rodéos, vu le rythme auquel tu nettoies ta caisse. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Rien du tout. Ce n'était qu'une modeste plaisanterie, rien qu'une blague, sans aucun sous-entendu. Pour te faire rire. Ouais, ben la prochaine fois, garde donc ça pour toi. Je ne suis pas le tueur à la graisse. J'ai jamais dit que tu l'étais. Je suis pas le tueur à la graisse et je veux plus qu'on en parle. Salut, Queener. T'es prêt pour la maison de l'horreur? Eh, hey, tu m'as jamais prévenu que tu sortais ce soir. Deux nuits de suite, c'est inacceptable. Sauf si je viens avec vous. Ou alors, je te fous à la porte. Papa, je t'en ai parlé ce matin. Seulement, t'étais encore à la ramasse. Ou trop défoncé aux odeurs de paix. Bryden m'a dit que t'en as lâché un brutal l'autre jour. Du genre qui asphyxierait un bus de nonnes. Il a dit qu'il en avait les larmes aux yeux. Je vais venir avec vous, à la maison de l'horreur. J'ai rien de prévu, je suis libre. Je crois bien que j'ai envie de me mater quelques films d'horreur. Mais papa... Si tu m'empêches de venir, je vais aller voir ta petite copine et je lui dirai que t'as jamais foutu ne serait-ce que la moitié d'un doigt à l'intérieur d'une gonzesse. Queener, où as-tu trouvé ces chaussures? Je les loue à une boutique et franchement, j'adore la touche qu'elle me donne. Ce sont de très belles chaussures, Queener. Il nous faudrait trois places pour la nuit de l'horreur. Tout de suite, Big Bryden. Et du pop-corn, j'irai nulle part sans un grand pot de pop-corn. Non, c'est pas ça que je veux. Il me faut beaucoup plus de gras là-dessus. Thank you.
Janet va venir à la maison ce soir. Pour le dîner, je ferai des baguettes. C'est une recette française de pain fourré au fromage fondu et au lardon. Niveau gras, c'est top. Janet est allée en France l'an dernier. Elle a adoré leur cuisine. Alors, t'es d'accord pour qu'elle vienne ce soir? Ok, revenons au disco. Vous vous souvenez de Earth, Wind and Fire? Eh bien, figurez-vous que le trio au complet a vécu juste là-haut, au premier. C'est moi qui fais ma propre huile dans ma chambre avec des olives. C'est de l'extra vierge. Comme ça. C'est comme ça, Janet. Je ne sais pas si je m'y prends bien. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut, Janet. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Janet, je ne sais pas si je fais ce qu'il faut, Janet. Pour toi, ça va? Bonjour, Ronnie. Ouais, bonjour. T'as des visites disco prévues aujourd'hui? Peut-être. Tu veux un peu de pamplemousse à l'huile? Quelqu'un? Qui est là? Bryden, c'est toi? Non, c'est Ronnie, le père de Bryden. Oh. Est-ce que tout va bien? Ouais, j'aimerais bien te voir pisser. Bah, c'est privé. Ouais, normalement, ouais. Mais il faut que je me lave les dents. Vas-y, pisse, je regarde pas. Je croyais que tu regardais pas. Bonjour, jolie Janet. Bonjour, Bryden. Est-ce qu'on est exclusif? Mon père m'a dit qu'il t'avait regardé pisser. Excuse-moi, mais là, je te parle. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est un jeu où il faut que je devine, c'est ça? Est-ce que je te plais? Est-ce que t'es une embobineuse? Là, tu me sèches, je sais vraiment plus quoi dire. Sinon que t'es incroyable.
et je revois de la lumière. Oh non, ça redevient noir. Désolé, je crois que je me suis évanoui. Ça doit être l'approche de la mort. Oh putain, c'est incroyable, je meurs. Que je devrais passer un peu de temps avec Janet. Tu crois? Mais pourquoi? Je connais les femmes et je veux pas que celle-là te fasse du mal. Je veux seulement apprendre à mieux la connaître, seule à seule. Ouais, tu veux surtout la charmer pour qu'elle tombe amoureuse de toi. N'importe quoi. Niveau femme, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. En plus, elle m'adore. Ah oui? Et pourquoi maman t'a quitté? Elle est partie parce que t'arrêtais pas de rentrer dans notre chambre pour chier dans le lit. C'est des conneries, c'est même pas vrai! Non, désolé, c'est la vérité. Elle l'a carrément gueulé de la voiture pendant qu'elle partait. C'est des conneries, tout ça. Tu veux me faire croire que Ricky Picotte et ses abdominaux en acier ont rien à voir avec son départ? J'aime pas beaucoup ce ton que tu prends avec moi. Là, j'en ai plein et que tu dégages de chez moi. Papa! Tu as 3 heures maximum pour vider ta chambre et débarrasser le plancher. Non! Bon, d'accord. Je vais pas te virer tout de suite. Mais dis-toi bien que si tu me laisses pas passer du temps avec elle, t'es bon pour faire des sacs. Moi, je la trouve gentille. Je trouve que c'est une bonne personne. Écoute, je veux juste éviter qu'elle te blouse et qu'elle te laisse tout seul. Ok, d'accord, sors avec elle. Découvre sa vraie nature. Je te fais confiance, papa. Et là, c'est le grand retour de Ronnie. Où est-ce que tu l'emmènes? Eh bien, dans ce petit nightclub où j'ai emmené ta mère. C'est romantique comme endroit? Si par là tu veux dire réservé au couple, c'est bien ce genre d'endroit. Et si c'est le niveau des cocktails exotiques qui te pose question, tu n'as aucun souci à te faire, c'est le top. Je sens que je vais laisser une belle ardoise au comptoir ce soir. Ils font des daiquiris épais et crémeux comme une chatte et ils ont beau te faire payer ça $15, t'en redemandes. C'est un peu cher la boisson, je trouve. C'est plus qu'une boisson. C'est du concentré de sexe. Ouais, bon ben, n'en profite pas pour lui faire du gringue. Je te rappelle que je tiens à elle. Seulement, toi, faut toujours que tu dragues. Non, c'est pas mon genre. Si! Tu peux pas t'en empêcher. J'ai rien à me reprocher. Te fous pas de moi. Certes, ça m'arrive, oui. Maintenant que les choses sont dites, t'as plus qu'à serrer les fesses. Non. Parle-moi un peu de toi. J'ai tenu un nightclub. C'est moi qui empochais les groupes, je les connaissais tous très bien. Et une fois, je ramenais Michael Jackson à l'aéroport. Et d'un coup, en chemin, il a voulu qu'on s'arrête dans un petit club de blues juste pour descendre une bouteille et se griller un cigare. Il n'y avait pas grand monde, Michael s'est lâché sur leurs délicieux tacos. Et moi, je suis allé dans la cabine du DJ pour lui faire passer Smooth Criminal. Ça a mis le feu, il a fallu qu'on danse. On est monté sur la table, seulement il y a un vigile un peu lourd qui est venu nous gonfler et j'ai pas pu m'empêcher de l'emplâtrer. Après ça, un autre gars est venu nous brancher et Michael, ça l'a mis hors de lui, il lui a décalqué la tête. Après, on a rencontré 2 jumelles coréennes canons qu'on a embarquées dans le bureau du patron pour un petit ramonage. C'était encore plus fou que derrière la porte verte. On les a tartinées de sperme et tout le monde a applaudi. À la fin, Michael m'a donné un de ses gants et je l'ai lâché à l'aéroport. Il avait un rendez-vous à Rome, un truc top secret.
Waouh. On dirait que t'as vécu des aventures. J'aurais dû en vivre plus. Malheureusement, j'ai eu Brayden. C'était un gosse horrible qui chialait tout le temps. D'ailleurs, c'est de sa faute si sa mère est partie. Sa manie de chier au lit. Aucune femme peut supporter ça. J'avais seulement 16 ans quand je l'ai eu. J'étais qu'un mioche. J'étais pas prêt pour cette vie-là. Non, monsieur, je peux pas. Mais pourquoi ? Ça me gêne. Vu que j'ai de l'affection pour votre fils. Quoi, t'es amoureuse de lui ? Oui. Allez, donne-moi tes jolies lèvres. Je peux pas faire ça. C'est trop bizarre. Embobineuse ! Il s'est rien passé. Tu peux me croire ? Je te crois. Il m'a raconté sa soirée de dingue avec Michael Jackson. Ce qu'il t'a pas dit, c'est que c'était pas le vrai Michael. C'était seulement un de ses sosies, un gars qui, juste avant, vendait son cul à Hollywood. Il s'est tiré une balle, il y a peu. Il a fait ça en plein milieu de la rue. Il paraît que son crâne s'est ouvert comme une fleur. Je peux te demander quelque chose ? Je sais que mon père est dragueur. Est-ce qu'il t'a fait du charme ? Allô ? Y a de mauvaises nouvelles. Winner a été tué. Ça y est, Janet, cette fois j'ai peur. C'est bien lui, mon meilleur ami. Je peux pas regarder ça. Faut que je m'assoie. À quoi est-ce que tu penses ? Je me dis que si personne enquête sur le tueur à la graisse, ben moi je vais le faire. Tu devrais pas. C'est bien trop dangereux. J'ai pas peur de mourir, si c'est ça que tu veux dire. Il faut bien que quelqu'un le démasque. D'abord, il massacre de pauvres touristes. Après, il tue Queener. Je vais l'empêcher de tuer qui que ce soit d'autre. Je vais trouver qui c'est, je vais le dénoncer, et après, je le tuerai, voilà. Tu fais quoi, là, bébé ? Je récupère l'épreuve. Je suis amoureux de toi. Je t'aime tellement fort que ça me fout carrément les chocottes. Je me chie dessus tellement j'ai peur. Mais ça m'empêchera pas de démasquer ce tueur. Thank you.
précieux. T'as mis quoi là-dessus? Rien que de l'huile. Pareil que d'habitude. Te fous pas de ma gueule. Ça a rien à voir avec notre huile ordinaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle marque d'huile. Et d'où est-ce qu'elle vient? Je crois que tu sais très bien d'où elle vient, papa. Je dirais même que tu sais parfaitement où j'ai trouvé cette huile. Allô? Janet, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, j'ai juste l'impression de devenir dingue. Je suis presque sûr que mon père est le tueur à la graisse. Tu veux que je vienne? Non, franchement, je préfère passer bien trop dangereux. Je supporterai pas de te perdre. Je meurs d'envie de te voir, mais je dois d'abord te protéger. On n'a qu'à le faire au téléphone. Imagine que je te titille le clito avec une plume pendant que tu me masses les boules. Avec de la salive? Ouais. Allez, papa, fais pas ton feignant. Ouf. Ok, à plus tard. Papa, il faut qu'on parle. Papa? Ronnie, c'est toi? J'espère que c'est toi. Le disco est de retour. Ah ouais? On va refaire la louba? Ouais, comme au bon vieux temps. Nom de Dieu! Mais ça schlingue! Ce soir, on va aller guincher. Ce sera notre grand retour dans tous les clubs en ville. Est-ce que je peux venir? Moi aussi, j'aimerais bien guincher. Ça me remonterait le moral. À ton avis, Paul, est-ce qu'on devrait prendre mon fils avec nous? Je préférerais crever que de l'avoir dans les pattes. Eh ben voilà. Je te l'avais dit, bipolaire, c'est pas drôle. C'est un vrai tue-la-joie, oui. Ouais, il devrait être sous traitement. Il en avait un quand il était gosse. De jolies petites pilules de toutes les couleurs, parfumées aux fruits, des tagadas en type leurniche. Viens maintenant, j'en crève d'être sans toi. Je t'aime. Je suis trop une chienne. Oh, mais t'imagines si je pétais juste là. J'ai peur, Janet. Eh, hey, bah dis donc, t'es sacrément sexy ce soir. Merci. Et toi, ta soirée? C'était le top. On a mis le feu à la piste de danse et on a bu des cocktails à la crème.
Je te dis pas le nombre de vaches qu'il a fallu traire pour nous. Tout ce bon lait crémeux tiré de leurs mamelles uniquement pour remplir nos verres. Je trouve ça magique. Je vois le genre. Et vous avez trouvé moyen de ramener des coréennes? Désolé, mais ça c'est top secret. Si tu veux que je t'en dise plus, on peut rentrer. Je trouve pas qu'on dirait une tête de rat. Janet et moi, on est ensemble. C'est officiel depuis hier soir. On a signé notre union d'un baiser. N'importe quoi! Il faut que tu saches qu'on est un couple exclusif. C'est comme ça, il n'y a rien de plus à dire. T'es qu'un putain d'embobineur. Un putain d'embobineur. Un putain d'embobineur. Putain d'embobineur. Putain d'embobineur. Putain d'embobineur. Putain d'embobineur. C'est moi l'embobineur. T'es qu'un putain d'embobineur. Putain d'embobineur. Tu veux que je te dise, t'es plein de merde et ça pue. Ben toi t'es plein de merde de vache. Il me semble percevoir une odeur tout à fait caractéristique. Faut que tu devines. Une odeur de merde? Non, ce n'est pas du tout la bonne réponse. Fais un effort, creuse-toi un peu. C'est quoi alors la bonne réponse? Tu peux trouver. Dis-moi la bonne réponse! Je vais te la dire, la bonne réponse. Ça sent la merde. C'est exactement ce que je t'avais dit. Non, t'as dit merde de vache. C'est toi qui es plein de merde de vache. Et toi qui pue la merde et t'as plein de merde au cul. S'il y en a bien un ici qui est plein de merde, c'est certainement pas moi. Toi, tu sens la merde par la bouche, par les oreilles, par les narines, par tous les orifices, par les cheveux, par les pieds, dessous les bras. Tu pues la merde par tous les pores. D'ailleurs, tu sens tellement la merde que les gens, quand ils te croisent dans la rue, ils changent de trottoir. Tu t'en rends même pas compte. Tu schlingues, tu fouettes, tu refoules. T'es ce qu'on appelle une infection. T'es qu'un putain de mioche. Merde jusqu'à l'os. Un putain de chiard. Merde jusqu'à l'os. T'es qu'un merde qui pue la merde. Janet, mais c'est avec moi qu'elle était en premier. Tu peux te raconter toutes les histoires du monde. En tout cas, hier soir, elle m'a donné sa chatte. Elle t'a peut-être prêté sa chatte, mais t'as pas donné son cœur! Toi, tu commences à me casser les couilles! Je te préviens, là je suis vraiment à deux doigts de te prendre toi et ta merde et de vous foutre à la rue une fois pour toutes! Ces pâtes étaient succulentes. Je tiens à dire que c'est le meilleur repas que t'as jamais fait. Parfaitement dosé en huile. Ouais, merci. Un plat de ce niveau-là, en food truck en Californie, tu le vends comme des petits pains. Ouais. En italien, c'est farfalle.
pour la forme en nœud papillon. Je le savais déjà. Et le meilleur dans tout ça, c'est l'assaisonnement en huile d'une rare générosité. Tu peux être fier de toi, fils. D'habitude, je lâche au mieux 5 jets de foudre de suite, et il me faut 10 minutes pour refaire le plein. Mais avec toi, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. Je me sens comme le Spider-Man du foudre. Oh ouais, vas-y, vas-y, Spider. T'es tellement plus qu'une simple chatte accueillante. Je crois que je pourrais t'aimer toute ma vie. Tu le penses vraiment? Ouais. T'es une baby-bombe de poupée disco. Ouais, je suis une baby-bombe de poupée disco. 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 Baby bombe de poupée disco, baby bombe de poupée disco. Baby bombe de poupée disco, 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 baby bombe de poupée disco. Papa, fais pas ça. Baby bombe de poupée disco, baby bombe de poupée disco, baby bombe de poupée disco, baby bombe de poupée disco. Jamais. Non. Je t'en prie, pas ton cul. Baby bombe de poupée disco, baby bombe de poupée disco, baby bombe de poupée disco. Il y a ma petite poupée qui m'attend. Nick Locke tira dans la nuque du Rasta, ce qui lui fit traverser le mur et le tua sur le coup. Puis Nick changea le réglage de son arme et la pointa vers le futur jusqu'à ce que le Rasta soit revenu à la vie. Je vous arrête pour conspiration dans le but d'obtenir une vengeance. Le Rasta n'en dit pas davantage et s'alluma un gros cigare. Ah, salut, Janet. Tu dors pas? Non, je travaille sur un roman. Celui de l'amulette? Non, là c'est mon thriller futuriste, Vengeance Incorporated. Ça se passe dans un futur où la vengeance est interdite. Mais il existe une entreprise qui peut le faire pour toi. Quand je dors et qu'il fait si chaud, je rêve toujours de toi. Est-ce que je te manque? Oui, d'une certaine façon. Sans toi, je suis seul et perdu. C'est parce que je t'aime. Dis pas des choses pareilles. Sauf si tu les penses, bien sûr. Pourquoi le ciel est-il bleu? Parce que le bleu est ta couleur préférée. Toujours aussi fleur bleue? Ouais, c'est moi, je suis comme ça. Je t'aime, Janet. Je suis fou de toi. J'aurais dû te le dire il y a déjà longtemps. C'est agréable à entendre, pour être tout à fait honnête. Offre-toi à moi pour toujours. Non, dis pas ça. Ça me fait trop bizarre. J'écrirais ton nom sur la lune si je pouvais, avec mon propre sang. Et aussi, je voudrais qu'on se marie. Ok. Je t'aime depuis le jour où je t'ai vu à la visite. Et je veux te confier mon cœur. Ronnie?
Ça, pour sûr, c'est Big Ronnie. C'est bien toi, Big Ronnie. T'es revenu laver ta voiture. Elle est bien décapée. Les bras sont le poil assez dur pour toi. Tu veux qu'on retourne au club pour gâcher? Je vous appelle parce qu'il me semble que ce serait possible que mon père Ronnie soit le tueur à la graisse. Ok, demain. Oui, demain, c'est bien. On peut se voir demain. Au revoir. Au revoir. C'était le détective. Il va venir. Il s'appelle Jody. Salutations, je suis l'inspecteur Jody. Et si vos soupçons sont fondés, vous devez être le fils de celui qu'on surnomme le tueur à la graisse. Bah, entrez, Jody. Classe la veste. Vous voyez cette huile, Jody? Il y avait la même sur tous les lieux de crime. Oui, elle a le même goût. Cette huile est d'une grande qualité et excellente pour la peau. C'est surtout une pièce à conviction. Saviez-vous que mes lunettes ont besoin d'être graissées? Nous allons retourner en bas et discuter des détails de l'affaire. Mais avant cela, je vais aller me nettoyer le visage. Votre père est peut-être bien le tueur à la graisse. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de poursuivre cette investigation. Nous ne disposons pas de preuves suffisantes. Je vous demande d'interrompre toute forme d'enquête, dès maintenant. Mais cette huile qu'on a trouvée par terre, ça suffit pas? Les preuves indirectes ne nous sont d'aucune utilité. Je vous demande d'interrompre toute forme d'enquête dès maintenant. Alors il n'y a plus que nous? Je vous demande d'interrompre toute forme d'enquête dès maintenant. S'il vous plaît, Jody, on comptait sur vous. Je vous demande d'interrompre toute forme d'enquête dès maintenant? Oui, c'est ça. Je vous demande d'interrompre toute forme d'investigation. Dès maintenant. Ah, d'accord. Merci pour votre point de vue, Jody. Je sais que mon père est le tueur à la graisse, et je vais le démasquer seul, puisqu'il le faut. Tu n'es pas seul. Maintenant, Jody va devoir partir.
me plaît d'être avec toi, Brayden. T'es autrement plus cool que Rico avec ses embrouilles. Un vrai casse-couille. Tu mérites tellement mieux. Je peux te dire un secret, Brayden? C'est à propos de Rico? Non. C'est à propos de l'amour. Je t'aime. C'est vrai. Tu veux m'épouser? Oui, Brayden, je le veux. Papa, mais... T'es là depuis le début? Ouais, ça se fait pas d'espionner comme ça. Hé, t'es ma copine, je t'en rappelle. Et en plus de ça, je te signale qu'il serait pas là à nous casser les noix si je l'avais pas éjecté de mes burnes. Et toi, le chiard, en tant que père, je m'oppose à ce mariage. Pour te le dire clairement, tu es viré. Tu as 2 heures pour ramasser tes merdes et disparaître. Oui, bah c'est nous qui partons. On en a rien à foutre. Brayden va venir chez moi. Là-bas, au moins, il sera heureux. Il pourra me titiller la fraise autant qu'il voudra. Et si j'y au lit, ben tant mieux. Je m'en barbouillerai partout. Ouais, papa, on n'a pas besoin de toi. Ça te trouve le cul qu'elle me préfère, moi. Mais tu sais pourquoi? Parce que je l'aime. Parce qu'elle est tout pour moi et que c'est une baby-bombe de poupée disco. 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 Baby bombe de poupée disco, baby bombe de poupée disco, baby bombe de poupée disco. Il faut que tu saches un truc. Il y a une fois où il a voulu me péter au nez. Il a mis ses jambes derrière sa tête et il a fait planquer les femmes et les gosses. Seulement, au lieu d'un paix, il a poussé un étron si fort que ça a fusé comme une balle. Ça a rebondi sur le mur et s'est tombé au milieu du lit. Tout ça pour dire qu'entre nous deux, le chiard, c'est bien lui. Ça a dû être horrible. Ouais. Ce truc avait la forme d'un doigt. D'un doigt pointé vers moi. Si c'est bien lui le tueur à la graisse, alors il faut que tu le tues. Je peux être plein de gras. Moi aussi, je peux être un tueur à la graisse. T'es pas le seul tueur à la graisse qui existe. Moi aussi, si je veux, je peux être le tueur à la graisse. Bon garçon, Brayden. Merci, papa. Venant de toi, ça me touche vraiment. Mais on n'a jamais trop réussi à s'entendre. Ouais. Enfin, je veux dire... Non. Ça n'a pas toujours été comme ça. T'étais un joli bébé. En fait, j'adorais te bercer. Alors t'étais du genre fleur bleue? Ouais, mais... T'étais tout petit. J'étais bien obligé de te trouver mignon. Je t'en souviens sûrement pas, mais quand t'étais tout minot, on a été sur le yacht de John Travolta dans les Caraïbes. On a fait le tour des îles de Port-au-Prince à la baie de Montego. Waouh, c'est fou que je m'en souvienne pas. Ça devait être chouette. John disait que t'étais un bon gamin, que t'avais une bonne énergie. Sérieux? John Travolta en train de parler de moi? Ouais,
Ah, ça me fait bizarre, faut que je m'habitue. Avec John, on s'est défoncé pour monter une affaire. Toi et John dans la même affaire? Ouais, il me proposait d'ouvrir une boîte disco à la Nouvelle-Orléans. Un endroit avec des boissons super chères. Une méga salle de billard et une piste de danse en bois de cèdre. On devait aussi avoir une limousine rose dans l'idée de balader nos meilleurs clients dans les quartiers où il y a de l'action. Ça devait s'appeler la Disco Jungle de Ron et John. Mais bon, t'étais tout jeune et je me sentais pas de te laisser avec ta mère et Ricky Picotte. Ça t'a saoulé de vivre avec moi? Eh, hey, tu sais quoi, je préfère mille fois vivre avec toi qu'avec John en Louisiane. Mais bon, c'est vrai que tu m'as saoulé. Avec ta bouffe trop sèche et tous les plans meufs que j'ai pas eu à cause de toi. Au moins, je dis ça, je suis honnête. C'est tout ce qui compte pour moi, mec. Ça devait être pour me venger que j'ai baisé ta copine par le trou de balle. Tu le méritais bien. Elle était répugnante. T'es pas d'accord? Ouais. Et puis elle était conne. Ouais, faut reconnaître qu'elle était conne. Ses poils de chatte, c'était comme du crin, en pire. Ouais, c'était comme la gratounette que t'as au dos des éponges. On aurait pu dégraisser des casseroles avec. Je voyais bien qu'elle simulait ses orgasmes. Elle devait faire pareil avec toi. On n'avait pas besoin d'elle. Et si on tuait Ricky Picotte? Et si on tuait Ricky Picotte? Et si on tuait Ricky Picotte? Je vais détruire tout, moi, Gounik! Ricky Picotte, Gounik!